Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Quel que soit à côté de vous, attendez-moi. Jean-Aubert Philippe, je vous promets que je vais tourner et parler avec nous. Et pendant le week-end, si vous avez des données qui changent, eh bien, Sophia, bonjour. Et Bosquet, tout le monde salue. Ou même avec tous les collègues de tout. Bien, Marcel, Joseph. Et ma salue, Adimi, Alexandre, ma salue, Jenny, bonjour, bonjour tout le monde, John Mix, Versace, nous là, nous parlons, nous parlons en temps. En général, nous deux habitués avec, nous sommes habitués avec la voix de l'Amérique. La voix de l'Amérique, pas pressée par les nouvelles. Parce que l'Elvin dans les nouvelles, nous ne pouvons pas tourner une démentie nouvelle là. Ça, c'est le principal de la voix de l'Amérique. La voix de l'Amérique, pas couru par les nouvelles pour vous de couru par les nouvelles. Et puis après, la couille, pour le coup, il vient démentir, il vient dire, désolé, ça me dit, il n'y a pas de ça. La voix d'Amérique, en général, elle était tonne. Elle a assez de preuves avant qu'elle confirme une nouvelle. Donc, c'est, comme je disais, bon, maintenant, je me tourne, je dis, maintenant, ça m'a dit, je me tourne, je dis, ça que, peut-être, ça que nous connaissons. Je me confirme avec tout ça que nous connaissons déjà. Mais c'est pas après, c'est une précision. Même dans le Brésil, je suis content d'eau. Eh bien bon, et d'après toutes dernières nouvelles, dernières agences nouvelles et internationales, eh bien, ancien vice-président Joe Biden, eh bien, il n'est pas clair, il a projeté que c'est lui-même qui est le prochain président des États-Unis pour 4 prochaines années là. Donc c'est ça qui projection qui fait là. Projection qui fait parce que bulletin pour qu'on vienne finir de compter. Mais les projections qui fait déjà montrer que et ancien vice-président Joe Biden, qui est candidat à ce démocrate là, et bien les projections qui fait sous lui montrer que c'est lui-même qui a remporté l'élection présidentielle américaine devant et rival républicain liant et Donald Trump. C'est ça lié. Alors. Sur le site de l'Amérique, c'est même que je m'en dis là, c'est les projections, parce que bulletin, on peut finir de compter totalement, mais projections qui fait à partir de ça qui rentre déjà dans la base de données, et bien projections, bien dit oui, projections qui fait à monter que l'ancien vice-président américain Joe Biden, c'est lui-même qui a remporté, ou bien qui a remporté l'élection présidentielle le 3 novembre. Là. Alors. Toujours selon toute nouvelle. Alors, si nous présentons rapidement un petit background de ancien vice-président, il a passé 36 ans comme. 36 ans comme. Ou bien chez Yodia. En tout cas, parlant de Biden, il a passé 36 ans comme sénateur américain et 8 ans comme vice-président. Alors, toutes les projections qu'il fait, c'est ça, on monte grand homme pour la société de presse. Gagne CNN, gagne CBS, mais les projections qui fait à partir de comptage qui déjà fait, comptage bulletin qui déjà fait, eh bien, il projette que c'est Joe Biden, c'est lui-même qui est président, c'est lui qui a remporté l'élection présidentielle américaine. Alors, ancien vice-président qui a réagi sur nouvelle-là, eh bien, ça seulement qu'il lui dit, il dit, et non, tweet, que le mettez sur les réseaux sociaux Twitter, eh bien, il dit que. Il est honoré, bon, donc il est content du fait que la population choisit pour lui diriger le grand pays ça, qui est les États-Unis. Je vais lire une déclaration que l'ancien président fait après que les projections ont montré que c'est lui-même qui a remporté l'élection. Et bien, ça, il dit que l'issue qu'il est honoré. Son bon moment pour lui, c'est que le content, il sent que lui c'est une gloire pour lui, c'est un plaisir pour lui, le fait que la population choisit pour diriger grand pays ça pendant 4 prochaines années là. Donc en attendant que le résultat définitif fini et qui ça qui gagne jusqu'à présent hier soir et ancien président a parlé tout, il était prend la parole mais il pas de chambre déclaré que était vainqueur que l'élite remporte l'élection. Seulement, il te dit que même disposition la prend si remporte l'élection, mais combat que tu vas faire, mais ça va le faire. Il va le combat bien, faire pandémie, le problème économique. Et bien, il te va déjà mettre sous table, il y a plan que lui-même il va le mettre si c'est l'élite remporte l'élection. Et bien, comme on dit encore, projection montrer que c'est lui-même qui remporte
et c'est d'après position, c'est lui-même qui a remporté, c'est lui-même qui a remporté l'élection présidentielle là, d'après comptage qui est déjà fait, surtout après Pennsylvanie. Selon ça qu'il dit, ma bonne chiffre qui part et puis il tourne tout et puis en fait personnel plus âgé qui va diriger les États-Unis. Avec victoire ça, si les projections Kembe jusqu'à présent, eh bien, ça veut dire que le président Donald Trump est le troisième président dans 40 dernières années, qui n'a pas bouclé un deuxième mandat affilé. Et alors, trois présidents, ça y est, Alors, le premier, c'est Jimmy Carter, dans l'année 76, qui n'a pas eu notre mandat dans l'élection 1980 parce qu'il était perdu devant défunt président Ronald Reagan. Et puis tout gagné, c'était George Bush père qui lui-même était perdu devant Bill Clinton en 1992. Après ça, tout le président vient après. Tout excepté et puis troisième président pas remporté un autre mandat consécutif, il est Donald Trump. Donc après ça, avant Donald Trump, tu as le président qui a remporté deux mandats consécutifs, nous avons d'abord Reagan, nous avons Bill Clinton, nous avons George W. Bush, fils, et puis gagnant tout Barack Obama lui-même qui a remporté deux mandats consécutifs. Voilà, et ça passe pour nous. Donc, ancien président Donald Trump qui a cherché Washington à remporter. Entrer dans l'histoire, tout ce qui a remporté un deuxième mandat, malheureusement, il passe des projections par rapport à en faveur pour aller et joindre. Et il n'y a pas de projection par joindre pour être remporté et un deuxième mandat consécutif. Je suis content, moi, nous tous branchés, nous tous absolument. Et ça qui gagne tout, donc ça veut dire si tout va aller bien, j'en aurai les Kounia là, eh bien, ancien président Joe Biden, tardé précisément le 20 janvier. Pour le tourner 46e président des États-Unis. Donc, selon toute position qui fait, regardez pour moi. Donc, pour rappeler 438 collèges électoraux, plus que ça, plus que 270 voix nécessaires, ou bien le faire 270 voix minimum. Abdullah, le président Biden, le jour après le serment, le 20 janvier 2021, si rien n'est pas changé dans Donéo, et ça, le président l'a bien 70. N'a pas pour que l'ancien président Joe Biden, il était candidat déjà, et il était échoué, il va arriver une nomination parti démocrate là, dans l'élection 1988 là, tout comme tout, il va arriver une nomination parti démocrate là, dans l'élection. Et c'est dans l'élection 2008 là que le parti de nomination parti démocrate là, eh bien, ancien président Barack Obama, Coltiel, pour le devenir président. Et c'est comme ça Barack Obama a été remporté l'élection, eh bien, lui-même, il a passé 8 ans avec le président Barack Obama comme Coltiel. Et eh bien, comme Coltiel, il y a actuellement 3 plus marqués. Parce que ancien vice-président, donc si tout donné à Jean Réa, si tout projection qui est Jean Réa, et Joe Biden, ancien vice-président, bien l'a bien comme policier, yon noir, yon fille, et l'histoire toujours. Et fille non seulement ça, c'est petit immigrant. Donc sénatrice Kamala Harris qui sorti dans Californie, et bien lui-même c'est petit deux immigrants. Oui, immigrant sorti en aide, maman, et puis papa sorti dans le Caraïbe là, donc maman, ils sont une minorité, donc son filier et son noir lié. Donc, on va comprendre l'histoire marquée, je dis, d'abord, ancien vice-président, c'est peut-être le président qui est plus âgé dans l'histoire des États-Unis, à 78 ans, l'élection. On continue à regarder quelques textes, et un texte que la Voix d'Amérique a, parce que c'est certainement une certaine réaction. Et la Maison Blanche, particulièrement le président Donald Trump, qui était seulement à parler pour réagir sous projection qui fait là qui t'a envoyé bail rival démocrate, le président
détail légal. Donc il te dit que la continuité était branchée là moi-même. Je suis dans l'arrière. Je suis dit, surtout par exemple dans le côté de Pennsylvanie, eh bien bon, contagion montré, projection qui fait montrer que le candidat parti démocrate là, ancien vice-président Joe Biden, projection montrer que c'est lui-même qui remportait la victoire devant le rival républicain Donald Trump. Nous avons entendu l'autre réaction qui vient encore. Est-ce que le président Donald Trump parle d'un discours de concession que lui a accepté, que le perd l'élection hein? Ou bien est-ce que les gens lui promettent, lui dit que lui-même libre dans le tribunal avec dossier, nous ne connaissons pas. Nous attendons seulement pour nous connaître qui ça que le pral dit. Et c'est en attendant la projection, ils sont ciblés sous ancien président qui, normalement, avec ça qui était dit, sous toutes les heures, les 253 votes noirs qui étaient gagnés depuis hier là, eh bien bon, si la projection Bali, Pennsylvanie, ça balle total, ça balle 273 voix. Et collège électoral là, alors que 270, donc ça balise d'abord et 273. Et puis, bien l'autre, ça veut dire que, et quand la carapigo toujours, l'autre côté, tant qu'Arizona, tant qu'au Nevada, tant qu'au Georgie, les côtés ça va finir compter, et bien nous capables peut-être de chiffrer le monté plus haut, ou bien le carré de côté de Yato, ça dépend de qui j'en sais. Mais nous connaissons que le président Donald Trump, depuis déjà, il a demandé pour recompter le bulletin. Non, c'est de côté, parce qu'on a Michigan, il a demandé pour un recontage qui peut être là. Tout comme il a demandé pour un recontage qui fait tout dans Michigan avec Wisconsin. Il a demandé pour un recontage qui fait dans deux côtés. Jean-Bert Philippe, était branché. Je vais tenir sur nous encore un peu plus tard et je vais venir avec plus d'éléments d'information de ça que je viens de faire. Mais, dernier rappel, projection a montré que le candidat parti démocrate là, Joe Biden, c'est lui-même qui a proposé victoire dans l'élection présidentielle américaine. D'après toute projection qu'il fait, d'après toute sa média ou bien encore chaîne télévision américaine yo, et agence nouvelle, yo, d'après les projections que tout le monde fait, il dit que c'est lui-même qui déjà a proposé et qui a proposé minimum 270 à minimum et 270 voix électorales là. Donc, je ne vais pas répondre à une question, pas poser une question, je ne vais pas répondre à une question. Et sur ça qui passe. Je suis seulement sur le même avant. Et bien, attendez sur ça encore. Et bon, qui dit pour arrêter ton plan, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas arrêter. Mais, président Trump, il est toujours président des États-Unis. Jusqu'à 20 janvier. Il est président des États-Unis. Donc, il ne va pas arrêter. Les amis, je suis en Chicken Caicos. Je suis en Chicken Caicos. Nous avons longtemps, nous contents, oui. En tout cas, allez donc, on a parlé. Bonne journée, attendez sur nous encore. Bye bye.